Bonjour, je voulais ma dernière mission. Donc, ça va comme suit. Les histoires d'argent portent aujourd'hui sur les façons d'emprunter intelligemment lorsque l'on est aux études. Votre formule futée est de vous informer sur la marge crédit aux étudiants de BMO. Elle vous aidera à diminuer vos coûts puisque vous ne paierez que l'intérêt sur le montant que vous utiliserez. Relevez deux questions importantes que vous aimeriez poser et rendez-vous en ligne ou à une succursale pour y trouver les réponses. Notez ensuite l'utilisation que vous prévoyez faire de ces économies dans le cadre de votre budget. Je suis présente sur le site de BMO et de la marge crédit aux étudiants. Donc, on me dit tous les avantages et ensuite, on continue avec ce que je dois avoir pour être admissible. Et voilà, ça va répondre à ma première question, je crois. Donc, suite à mon tour sur le site de BMO, j'ai appris ce que c'était une marge de crédit pour étudiants. Donc, comment ça fonctionne? C'est que c'est comme un prêt, sauf qu'on ne paie que les intérêts sur la partie du prêt qu'on utilise. Donc, ça peut aller jusqu'à des montants assez élevés. Donc, ça peut nous aider beaucoup quand vient le temps, en début de session, de payer tous ces frais-là. Donc, je pense que c'est une bonne façon d'utiliser ça. Sur le site web, on me dit aussi que je peux téléphoner pour pouvoir poser des questions. Donc, il y a plusieurs différences entre une marge de crédit et une carte de crédit. Premièrement, la marge de crédit, on peut retirer ou transférer de l'argent de notre marge de crédit en tout temps à moyen d'un guichet automatique ou bien au téléphone ou en ligne. Les taux d'intérêt sont souvent plus bas pour la marge de crédit, puis c'est souvent plus relié à notre compte bancaire. Donc, sur le site de BMO, je peux même faire une demande en ligne. Pour finir, mon dernier conseil, c'est que la meilleure utilisation du crédit, c'est de ne pas l'utiliser. C'est la meilleure façon de ne pas avoir d'intérêt. Mais en cas de nécessité, je pense que la marge de crédit, ça peut être une bonne idée.